Donc, je vous ai proposé de travailler sur quelques photos dont je vous ai donné donc les liens simplifiés avec le système Bitly. J'ai donc simplifié les liens qui sont en fait un peu plus complexes. Ce sont des images du domaine public, en tout cas je le suppose, parce que quand j'ai fait la recherche dans Google pour trouver ces images-là, j'ai demandé qu'elles soient du domaine public. Vous voyez ce qu'est le domaine public? Donc des images que vous avez le droit d'utiliser même à des fins commerciales. Et voilà, c'est quand même plus facile que de faire un safari pour aller faire des photos. C'est disponible sur le web. Et alors ce qu'on va faire avec ces photos, c'est expérimenter un peu la palette historique de Photoshop. Alors vous m'avez dit que vous connaissez la palette historique, ça sert à voyager facilement en avant, en arrière quand on fait un document. De combien de fois en arrière, au fait, on peut aller avec la palette historique? 1000 fois, exactement. Je vois que vous êtes bien au courant. On vous a déjà expliqué. Mais il faut régler pour que ce soit possible, les 1000 fois. Sinon, c'est 50 fois d'origine. Ah oui, ça se fait dans les préférences. Il faut le demander, parce que sinon, ça bouffe de la mémoire pour pas grand-chose, si vous n'avez pas besoin que ça retienne les 1000 dernières actions. Bon, 1000 actions, ça va vite, hein, parce que quand on fait du pinceau, chaque trait de pinceau est une action. Et donc, on va utiliser la palette historique rapidement ici pour être créatif, un peu délirer, et faire des images, oui, voilà, qui est un peu déjantées. Ça peut vraiment être utile, même pour ceux qui ne connaîtraient pas les systèmes des couches, les calques, ils pourraient arriver à faire des choses, des sélections. Tout ça, on ne va pas utiliser dans un premier temps. C'est une des manières de faire de la créativité. C'est donc la palette historique. La technique qu'on va voir ici peut également servir à faire des retouches de portraits ou d'images sérieuses. Hein. Donc c'est les deux. Soit vous allez vers le délire et vous faites vraiment de la saturation, de la texture, et voilà. Soit vous faites une retouche plus discrète, plus sérieuse, plus subtile. Les deux sont possibles avec la technique qui va être vue. Donc, dans Photoshop, vous avez donc les préférences et vous avez les préférences qui concernent la performance. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil de ce côté-là. C'est ici, en fait, qu'on a les états d'historique. C'est dans les préférences performance. Voilà, d'origine, vous allez le trouver à peu près à 50. Très longtemps dans Photoshop, il était d'ailleurs à 20. Mais enfin, les ordinateurs évoluant, Photoshop propose d'origine de le mettre à 50. Et puis, voilà, vous pouvez le booster à 1000 si vous voulez. On n'ira de toute façon pas jusque-là. Les niveaux de cache en dessous, on me demande souvent ce que c'est, mais c'est un système pour rendre plus performant Photoshop en fait. Et il met en cache des données, notamment l'affichage des images, des choses dont il a besoin souvent, et comme ça accélère l'affichage des images. Donc si vous êtes un jour sur un ordinateur et que l'image est tellement grosse, vous devez faire une opération tellement lourde que l'ordinateur n'arrive pas à la faire, une chose intéressante, ce serait d'aller diminuer le niveau de cache. Ce sera plus lent, mais ça va libérer de la mémoire et Photoshop arrivera à faire ce que vous voulez faire. Mais de nos jours, quand même en 2018-2019, il y a peu de chances qu'on soit à court de mémoire et d'espace disque. C'est peu probable, mais enfin voilà, c'est à ça que ça pourrait servir de diminuer, de changer le niveau de cache. Ok. Alors, on va faire apparaître la palette historique, donc menu fenêtre historique. Je vais la détacher et l'agrandir parce que je vais en avoir besoin vraiment. Besoin de la voir grande comme ça, donc je la détache en la prenant par son onglet, bien sûr, et puis je l'agrandis par sa petite case en bas à droite. Et alors, on va aller modifier quelque chose. Dans le menu de la palette historique, on va aller dans les options d'historique. Alors, dans les options d'historique, j'ai une option ici que j'ai déjà cochée, et normalement, chez vous, elle n'est pas cochée. Elle était cochée ou pas? Voilà, accepter un historique non linéaire, vous allez le cocher. Ça veut dire que quand on va revenir en arrière dans l'historique, il y a forcément des choses qui ne vont plus apparaître dans l'image. Mais elles vont rester dans l'historique. Elles vont rester dans l'historique en permanence. Enfin, en permanence, tant que vous avez l'image ouverte dans Photoshop, bien sûr, parce que l'historique, ça ne s'intègre pas à l'image sur le disque dur. Hein. Une fois qu'elle est sur le disque dur enregistré, que vous l'avez fermé, l'historique n'existe plus. Ça, il faut bien le savoir. Donc, accepter un historique non linéaire, ça c'est vraiment important de l'enclencher.
Eh bien, on va aller ouvrir une des images. Laquelle vous choisissez, en fait. C'est vous qui voyez par quoi vous allez commencer. Bien. Donc, c'est une image qui vient du web. Alors, une bonne chose à faire avec les images qui viennent du web, c'est de vérifier que Photoshop affiche les couleurs correctement. On va supposer que la personne qui a mis l'image sur le web a prévu que l'espace couleur de l'image, pour quel matériel elle est prévue, il a bien prévu ça. Il a prévu que c'est pour du sRGB. On considère que le matériel de l'internaute, le matériel, les écrans que les utilisateurs du web utilisent sont aux normes standard RGB, sRGB. C'est pas très performant comme norme, mais la plupart des gens utilisent des écrans qui sont pas terribles, en fait. Hein. Donc c'est ça, en fait. On considère que les gens utilisent des écrans bas de gamme. Et alors, vraiment, une des premières choses à vérifier, c'est ceci, dans le bas à gauche de la fenêtre, demander ici d'afficher, à la place de taille du document que vous avez certainement maintenant, vous allez demander d'afficher le profil du document. Est-ce que les histoires de profil couleur, ça vous dit quelque chose? sRGB, Adobe RGB, Profoto, Fogras? Non, rien du tout. Si vous pouvez développer des compétences là-dedans, c'est un plus, en fait. C'est vraiment bien sur le marché du travail, parce que faire des belles images avec des belles couleurs, c'est bien, mais enfin, si quand on les imprime, quand on les sort sur smartphone, sur tablette, sur écran, les couleurs se décalent, c'est pas génial, quoi. Donc c'est vraiment l'histoire du contrôle de la couleur, toutes ces histoires de profil couleur. Un profil, c'est une description d'un appareil. Et donc je suis en train de vous dire qu'on va vérifier ici que Photoshop affiche bien les images, et pour qu'il affiche bien l'image, il faut qu'il sache que c'est une image pour du sRGB. Donc ce que vous allez faire d'office ici, quand vous voyez qu'il n'est pas indiqué sRGB, ça veut dire qu'il n'y a pas un petit truc dans l'image, dans les métadonnées de l'image, il n'y a pas quelque chose qui indique à Photoshop que c'est du sRGB, vous allez dans le menu édition et vous allez demander attribuer un profil. Attribuer un profil et vous allez attribuer le profil sRGB ici qui est dans la liste, dans la boîte ici, attribuer un profil dans les premiers profils standards les plus répandus. Il y a les profils pour la télévision haute définition notamment, ici. Mais ça, vous n'utilisez pas, sauf si vous faites de la vidéo un jour. Donc en tout cas, ici, pour le web, on considère que les images sont préparées pour du matériel sRGB, du matériel bas de gamme. C'est comme ça qu'on arrivera à voir les couleurs correctement sur... dans Photoshop, sur votre écran. Vous avez vu les couleurs qui ont changé, et pas moi. Pourquoi? Parce que dans le menu édition couleurs, donc les réglages couleurs de Photoshop, j'étais déjà, pour les images qu'on ouvre et Photoshop ne sait pas pour quel matériel elles sont prévues, c'était déjà indiqué qu'il doit considérer qu'elles sont produites sRGB. Alors je vais faire juste un petit test ici. Je ne sais pas si ça va marcher, on va voir. Je vais réouvrir l'image. Vous avez vu ce que j'ai fait? Dans édition couleur, j'ai indiqué que l'espace par défaut RVB des images, donc c'est du Adobe RGB, c'est un profil couleur qui peut contenir plus de couleurs vives. Donc quand on est professionnel de l'image, on préfère travailler là-dedans, en fait, dans le Adobe RGB. Je réouvre l'image en question. Voilà. C'est du RVB sans description. Voyons ce qui se passe si je fais édition, attribuer un profil. Parfois avec les projecteurs, ça ne marche pas bien. Ah, on a vu quand même que ça a changé un peu. Oui, quand j'attribue le profil sRGB, il y a des couleurs qui changent, notamment je les vois ici à l'arrière. Vous voyez? Alors c'est subtil, mais enfin, de temps en temps, dans le monde de l'infographie et de l'image, on est dans la subtilité. Oui, il y a plein de choses qui changent si on regarde. C'est surtout les couleurs vives ici, la pelure de zèbre, là, change aussi. Donc voilà, c'est bien la preuve que si vous voulez vraiment avoir tip-top les bonnes couleurs, il faut attribuer le profil sRGB. La première fois que j'avais ouvert l'image, donc Photoshop avait d'office chez moi attribué le profil sRGB. Tiens, par curiosité, qu'est-ce qu'il est indiqué dans le menu édition couleurs chez vous?
D'accord, il est toujours d'ailleurs indiqué Adobe RGB. Donc c'est une bonne chose, le Photoshop ici était réglé pour avoir des couleurs, quand vous créez des images, pour pouvoir mettre beaucoup de couleurs vives dedans, plus que pour que si on travaille des images et c'est RGB en fait. Vous voyez un peu la logique. On a le Adobe RGB qui est réglé là dans les éditions couleurs de Photoshop. Quand je crée une nouvelle image, elle est Adobe RGB. Je peux mettre beaucoup de couleurs dessus et c'est bien parce que vous avez un écran qui est quand même un peu plus valable que ce que la plupart des gens ont. Les gens qui font du secrétariat, du Word, ils ont un écran qui affiche des moins belles couleurs, vous le savez. Mais par contre, j'ai ouvert une image qui était prévue pour du matériel bas de gamme et j'ai dû indiquer à Photoshop, si je veux vraiment voir les bonnes couleurs, j'ai dû indiquer, tiens, dans la fenêtre de cette image, tu me simules un moniteur bas de gamme. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'on appelle la compensation à l'affichage, il est en train de faire ça. Alors vous allez voir que pour la suite, ça n'a pas une importance énorme, mais enfin c'est intéressant quand même ces considérations, c'est d'une manière générale, mais ça n'a pas une importance énorme pour la suite de ce qu'on va faire là, parce que de toute façon on va complètement déjanter au niveau des couleurs. On va de toute façon... Enfin voilà, en tout cas ce qu'on va créer là au niveau des couleurs, les couleurs qu'on va mettre, les choses bizarres qui vont se faire, on est certain que ça sortira comme ça à l'impression si on a une image qui a un profil... La suite de la chaîne, les autres logiciels imprimantes, etc. qui vont traiter l'image sauront ce que vous avez vu sur votre écran grâce au profil.